Que Dieu soit loué. Que Dieu balé 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 toi blin blin et moi. Le frère Lambert, le frère Richard, Kabri Lambert, qui m'ont déjà devancé, Mako na Kodole, ont salué la famille de la sœur. Ko ka Kabri no Azé Minu. On salue tous les parents. Revenir dessus n'est pas perdre notre temps. Celui qui est déjà passé par cette épreuve connaît la douleur qu'on endure. À tonton, mais doit. Et combien c'est difficile. Il y a plein de constater le vide qui a été laissé. C'est pour ça que nous revenons dessus. Nous essayons, nous les hommes, d'apporter des paroles de consolation. Mais celui qui console réellement et qui console pour la vie, c'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À toi qui es Jésus-Christ. C'est pour ça que nous prions. Que Dieu intervienne et qu'il aide les parents, les enfants, les frères et les sœurs de la sœur qui est partie. La mort est une réalité implacable. Tous croient qu'ils doivent mourir. Les chrétiens savent qu'ils doivent mourir un jour. Les païens savent ça également. Et Dieu a dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur des hommes. C'est pour ça qu'on les voit bien souvent dans le cimetière faire des commissions inutiles à ceux qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent plus rien faire. Mais Dieu dit la chose autrement. Selon Apocalypse 14, allez, vous m'avez Apocalypse à vous, vous êtes en Zendi. J'espère qu'on va lire ça. Non, car ta fille, si. Le verset 13, 12, 13. À vous, t'en. Aïon, vous, t'en filé et t'en ya. Il est dit là, bienheureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un de mort. Ou nous, quand. Jésus-Christ est dibon, ton dibon. Bienheureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Je continue. Oui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Écrit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Jésus-Christ dit bon, va, au gant à toi dit bon. Oui, dit l'Esprit. Oui. Dit en fait. En fait, qu'ils se reposent de leurs travaux. Ouais. Car leurs œuvres les suivent. Très bien. Écris. Et c'est un ordre que Dieu donne. Écris-le. Écris-le.
dit aux hommes et principalement aux croyants, bienheureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Non seulement ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivront. C'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Ils sont si nombreux, ceux qui meurent loin de Jésus. On fait de longs discours à leur tombe. On fait leur apologie. Ils ont été très bien. Ils sont généreux. Ils sont même des croyants. C'est le témoignage de Dieu qui compte. Ce que nous disons, nous les hommes, nous le disons pour les autres. Juste pour ce coup, pour des sentiments. Mais ce que Dieu dit, est le plus important. Si vous n'avez pas reçu le témoignage de Dieu que vous êtes sauvé, que votre vie lui est agréable, quelques discours qu'on fasse, ce sera vain. Je voudrais que nous apprenions qu'il y a une possibilité de courir en vain. Il y a une possibilité de travailler en vain. Il y a même une possibilité de croire en vain. Et c'est maintenant. Pendant que nous vivons, nous devons recevoir de Dieu ce témoignage. Alors nous partirons en paix. Selon 1 Thessaloniciens 4, frère, tu vas encore le lire. Thessaloniciens, ou avec Thessaloniciens, à Zinzan. Jusqu'au verset 15-16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur.
Jésus-Christ a taillé. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Je continue. Ça va suffire. Okay. Que Dieu soit loué. Balé, toi-moi. Il a dit là. Effectivement. Nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc la sœur Cécile est privilégiée. Donc, elle nous a devancés. Et au retour du Seigneur, quand la trompette sonnera, à la voix de l'archange, c'est d'abord elle avec les morts. Qui vont ressusciter. Et c'est après eux que nous nous serons changés. Mais parlant des vivants, l'apôtre a dit, nous qui sommes restés à côté de pour l'avènement du Seigneur. Jésus-Christ. C'est là que je voudrais un peu m'arrêter. C'est bien précisé. Nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Le constat qu'on fait au milieu des chrétiens. Parmi les chrétiens, ceux qui s'appellent chrétiens du message, qui disent qu'ils ont la parole et qui bien souvent méprisent les autres. Le constat qu'on fait, c'est que ce qu'on avait au début rejeté comme étant péché, revient au galop parmi nous. La modernité. L'hypocrisie. Et les jeux et ces vêtements indécents qu'on revêt et le désir qu'on a de plaire ou bien de ressembler au monde Frère Lambert l'a dit. Celui en qui le monde est débile très tako aleli et qui il dit l'amour de Dieu n'est point en lui. Badli soleke et qui je vous dis. Nous chrétiens nous devons faire attention. Kalo kabal bon chakubo kare parle. Il faut que nous apprenions de la nature. Ka oui peta kakna kwebo. Et oui il faut et oui pas mankadi. Car c'est le temps de semer. De savoir n'importe de quoi n'importe. Si vous ne semez pas, de ikagwesa volero ikagwego volero. Autant de la moisson vous serez mendiant. Ye a sa jenamo, a jenamo ou il a blikleza. Très bien. Et vous risquez d'en mourir. Ye blikleko darebo dika irelo. Quand il pleut de là, Dana, et que les autres travaillent,
Chacun doit le faire. Mais si on ne le fait pas, et que vient le temps de la moisson, nous irons de maison en maison pour demander à manger. Et si on en trouve, si on en trouve pas, on va mourir. Dans 2 Corinthiens 6, les versets 1 et 2. 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, Au jour du salut, je t'ai secouru. Très bien. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est le temps que Dieu nous a donné. Celui que nous vivons maintenant. Il est béni par le calèbre. Attalé car qui croyait car tao car fulmin coubé. Il nous a donné un certain nombre de promesses. Et fait ceci, il a fait calèbre le man, il a non calé, il a calé. Et c'est dans ce temps que nous pouvons les expérimenter. Et ablé des bons affaires ton calèbre le man, bal à irer calé. Si je me contente de dire je suis chrétien. De ya namé bon mao un chrétien. Je suis un chrétien, j'ai la parole. Ya chrétien bon balé de qui balé naoule qui je suis du message. Na balé witre vota ya fi et pas et dabé na yama et ya zo on n'a aucune expérience. Ye aucune expérience. Si pendant le temps où Dieu nous donne ces choses, où Dieu nous est favorable, où Dieu nous a secourus, si on n'a pas expérimenté ces choses, de a fait le fort de Ika, qu'on est payé, décrit, il va l'eau. À un moment donné, il doit boire. Nous allons même perdre la tête. Il voit se remettre, il voit vouloir. Et demander à ceux qui ont persévéré. Donc, vous voulez, au taouba les eaux, au milieu aux joints. De nous donner un peu de ce qu'ils ont comme expérience. Non, Zanté, il va les vabons. Mais souvenez de nous donner un peu de leur huile. Quand on fait, on va nous zante, on va nous donner un peu de leur huile. La parole de Dieu est claire. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Il nous faut retenir
que sans le Saint-Esprit, on n'ira pas jusqu'au bout. Il y a des possibilités qu'on se reste en route. On peut le lire dans Matthieu 25. Et nous assistons aujourd'hui à l'accomplissement d'une écriture. Selon Matthieu 24, il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ayant vous filé en filé dit vous vous êtes en filé dit vous êtes en filé dit moi non vous y allez et dans foin le traité y a si bon y a noir mi cesse qu'à cesse qu'à le bal sur les kio à cause de l'iniquité vous y allez dire que foin qui zoma ou qui nous envahit et que foin Fouana, Kazi, Katabo, Yanoa, Balisolekio. C'est vraiment regrettable, frère. Ya, oui, et Namakwidoa. Que même parmi les frères, qui veulent aller au ciel, qui pensent être enlevés, ou pensent être enlevés, de Jésus d'Ao, Wengo. On trouve des frères, on trouve des sœurs, qui aiment encore le plaisir plus que Dieu lui-même. Nous sommes au temps de la canne. Au temps de la canne. Coupe d'Afrique. Il y en a qui chrétiennes. Merci. Ils ont acheté des télévisions. Je ne sais pas des chrétiens. Chrétien, mais ils ont acheté des télévisions pour regarder la CAN. Et ils ont Et ils sont là, vous les regardez. Si vous les trouvez là, ils n'ont même pas le temps de vous regarder, de vous saluer. Ça, c'est des chrétiens qui vont au ciel. S'il vous plaît, frère. Il nous faut revenir à la raison. Les choses du monde ne sont pas à nous. Il est écrit très tard, fait nous, très tard, on est en train de mourir, cassé quand l'eau. Jésus a dit, je ne suis pas du monde. Yo, et qu'à très tard, quand t'as mis en l'eau. Comme eux, ils ne sont pas du monde. Kakosoma, kaka, très tard, t'as mis en l'eau. Le vrai croyant n'a besoin de ces choses, n'a pas besoin de ces choses. Ce qu'il veut être semblable à Christ. Vivre pour Christ. Jésus a dit, je suis glorifié en eux. Jésus a dit, c'est en nous qu'il est glorifié. Et si nous-mêmes, nous sommes foirés, nous sommes dans le monde, quelle gloire reçoit-il? Jésus-Christ, puisse Dieu nous aider. Le frère Lambert a parlé aux païens. Et nous prions que cette parole ne reste pas vaine. Qu'elle puisse toucher les cœurs. Nous dansons.
Nous dansons, nous chantons. Souvent on lève la main. Devant, c'est une bonne chose. Si notre vie est témoigne, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. Si notre vie est claire devant Dieu. Mais si je danse, de André temps, et puis je chante, André voix, et puis je crie, en ces voix, je lève les mains, ma belle a dit, et que je suis un hypocrite, je en daoulimia, je perds mon temps. Que Dieu puisse nous aider. Vraiment nous aider. Ce sont des écritures que tout le monde connaît. Quand quelqu'un ouvre la Bible, et puis qui veut les lire, on les connaît tellement qu'on n'a pas besoin d'ouvrir notre Bible. Mais qu'en est-il réellement de notre vie cachée? Que Dieu nous aide, frère. Frère Lambert disait, on vient pour réfléchir. La sœur nous a dévancé. C'est pour elle qu'on est là. À qui sera le tour demain? Très vite à les bois. Est-ce à moi? Malé. Est-ce à toi? Bien. Sommes-nous prêts? Car, avant nous le témoignage du Seigneur que nous sommes prêts. Bali Afrikale et Yakatabli na Kafli envoie moins. Comment sommes-nous devant Dieu? Yaka balira en kabalira. Quel est son avis, son verdict sur notre vie à nous? Bien-aimé frère. Bien-aimé. Tout à l'heure, j'ai cité Matthieu 24. Draco, en Matthieu, a fait aller à vous filer et en zin. À cause de l'envahissement de l'iniquité. Non, oui, y en a dans foule et dans foule très tard. L'amour du plus grand nombre. Il y a nous cessons pour que le soleil ou le haut. Pas du grand nombre, mais du plus grand nombre. Vous cessez, vous me cessez, le soleil ou le haut. Se refroidira. Le soleil qui haut. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et Grima vous dit, et si vous trouvez, sangue de Yile et vota ou bien, peuple. Bien-aimés, travaillons pour être ceux parmi ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que le jugement de... Vas-y. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu elle-même. Que Dieu vous bénisse. Une autre écriture, Actes chapitre 2. Adoufézi. Versets 24 et 25. Acte. Faites à filer en. Vous filez. Acte 2. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Balé à Bola Gouroudi. Ga Galio
y a qu'un, il y a fou dans tout. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et qu'à soi, comme le nom, Gao, il y a qu'un, et vous, il est galéro. Quand David dit de lui, David, blédéman. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Et balayé, djadja, era. Parce qu'il est à ma droite. Il y a ébéita. En fait que je ne sois point ébranlé. Ébéita, il y a noir, et qu'à soi. Et dialo, et voyez à Dokilolu. Aussi mon cœur est dans la joie. Ton Ezro, Yan Ezbianlanki. Et ma langue dans l'allégresse. Et Enre Madananki. Et même ma chair reposera avec espérance. Et de Ilman Egao, Ekulao. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Amen. Là, écoutez, et n'y a droit, belique, dit, zéan. La pauvre, et quand vous, malika, comment y est-vous, y est-vous, y a vous galéro. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Et malika, soit, et vous m'emblez, et les raisons, et vous galéro, et galéro. Tu m'as fait connaître les non, sentiers. C'est de bon, la... frère, Dieu te bénisse. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Pierre, ben oui, ben. Parlant de Jésus. Jésus, oui, à comment, ben. Il dit, il n'était pas possible que la mort le retienne. Et qu'à soi, ben, car, yakoum, et vous gale, yirikiro. Il n'est pas possible que la mort retienne notre Seigneur Jésus. Et qu'à soi, ben, car, et vous, Jésus, yirite, allélo. Pourquoi c'est pas possible? Mais au moins, et qu'à soi, erreur. Parce que la Bible l'a dit avant. Bible a fait bas. Il y a une promesse dans la Bible. Que son sein ne verrait pas la corruption. Non, elle est néo. Et qu'à soi, yakri anamino. C'est pourquoi Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant voilà une chose, frère. Où si la mort ne peut pas retenir le Seigneur Jésus, parce qu'il est écrit qu'il ne serait pas retenu, la même mort ne peut pas retenir notre sœur Cécile. Alléluia. Et vous regardez, il est Gardez-vous et qu'à soi, qu'à ya il y a qui est volé. Comme Jésus est ressuscité, faites que Jésus gâcle et blanc dit. Elle ressuscitera également. Il est consommant et gâcle et blanc dit. Et pas seulement la sœur Cécile. Il est le tien et mais tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Qu'à pas parler, qu'à dans galère, Jésus t'a dit. Comme Jésus est ressuscité, ils ressusciteront également. C'est une promesse. C'est une promesse. Et si elle s'accomplit en Jésus-Christ, elle s'accomplira pour tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. C'est pourquoi ça vaut la peine de persévérer. Nous gagnons à persévérer. Nous gagnons à rester attachés au Seigneur Jésus. Malgré tout. Jésus-Christ m'a dit que Paul vous doit que Amao. Ça c'est la promesse aux croyants. Il y a plat canou car que c'est Bali Bamo. Frère, tu peux lire 1 Corinthiens 23. Vous t'en solo, agnon, vous filez en dos et t'en ya. 21-23. Car puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme que
qu'est venue la résurrection des morts. C'est vrai. Gao et da, nous devons da ga, nous devons yé, nous devons faire de Gao et Dieu. Fait et Dieu, nous devons avoir yé et Beli qui gacle qui au mito yé ya avalé et désiré gacle. Et comme tous meurent en Adam, fait dans mes portes où ok Adam au gantou bon. De même aussi, tous revivront en Christ. Ouais. Azo, une fois pas, nous ok, Jésus-Christ, au temps où vous êtes allé d'abord, au cosma, Azo, au béliment, pas grand. Mais chacun en son rang. Voilà. Mido, baiser, Christ comme prémisse. Jésus-Christ est qui, à Wouta, à tête. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Yé droko, ka papa trou, mou fato ok, Jésus jamais. Lors de son avènement. Très bien, frère. Et que Jésus jamais à Daïma. Ok, Jésus Christ à Daïma. C'est encore une promesse que nous connaissons. Le droit à place, il y a l'air, kabe doa, bel kibe. La mort est venue par Adam. Gao, Adam va aller et dire, yé da. La vie vient par Jésus Christ. Ton belikio, bedan, Jésus bedan, belikio. De même, nous mourrons parce que nous venons d'Adam. Fait qu'à gant, mes hommes, Adam, vale, kasi, Adam, me kaya. De même, tous, nous revivrons parce que nous, maintenant, Christ est venu. Yé, droko, ka fafa, ka yé, Jésus Christ l'est d'abord. Mais chacun en son rang. Mais dos, Baiser, celui qui a choisi le monde, débile, il sait où il va. Il traita comme sous les ikezo yezruvao. Christ, lui, il est le premier de ceux qui lui appartiennent. Il grabe en toi, mais sangue Jésus, Jésus, vous nous, vous qui belle qui va, y a qu'est-ce que vous ta. Je voudrais demander, malheureusement, à qui appartenez-vous? Il y a des ans. Vivez-vous pour le Seigneur Jésus? Il y a Jésus en temps. Ou bien vivez-vous pour ce monde? Nous ressusciterons. Mais chacun en son rang. Selon le choix que tu auras fait pendant ta vie. Yebe siva te yata ma ifilma feta e ita uzubo azro imra très gloudi. S'il y a parmi nous ce soir de nakava blaliko un homme ou une femme elia egulien un jeune homme une jeune fille et penwa et benwa qui n'a pas encore fait ce choix judicieux. De marcher avec Jésus. Maintenant, Jésus Christ. De lui abandonner sa vie. Comme les frères l'ont chanté. Maintenant, qu'il faut chercher Dieu. Jésus-Christ, ce sera trop tard après la mort. Aucune prière ne peut changer votre vie. Mais pour les croyants, pour ceux qui vivent pour Christ, pour ceux qui aiment Christ, pour ceux qui se sont abandonnés à lui, et qui s'attendent à lui, voici une promesse. 2 Corinthiens 5, verset 1 et 2. Nous savons. En effet que si cette en temps effet, ouais. où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est vrai. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Très bien. Doublement. Nous savons. Est-ce que nous le savons vraiment? Celui qui le sait a une manière de marcher. Nous savons que cette tente dans laquelle nous habitons, il s'agit de notre corps, si elle est détruite, notre corps est comparé à une tente. Une tente est une chose fragile. Elle passe. Et dis-moi. Elle se déchire. Et fait elle moment. Disparaît. Au et Dieu dit aux croyants. Nous savons que. Si cette tente dans laquelle nous habitons. Est détruite. Nous avons auprès de Dieu un édifice. Voyez le jeu de mots. Hein? Notre corps est comparé à une tente qui est vulnérable, qui peut se détruire. Si elle est détruite, comme l'est ce soir, la tente de la sœur. Nous avons auprès de Dieu un édifice. Une construction solide. Qui est l'ouvrage de Dieu. Qui ne passera plus jamais. La parole de Dieu est vraie. Oui. On la prend comme un conte de fées. Maintenant, non, c'est la vérité. Si cette tente que nous habitons, qu'on entretient par des comprimés, par des médicaments, par toutes sortes de choses, si elle est détruite, le croyant a auprès de Dieu un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. J'espère que nous croyons tous cela. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Ce sont des promesses qui devraient avoir un impact sur notre vie. Selon 1 Corinthiens 15, autour du verset 49-50, Dieu nous dit par l'apôtre Paul, de même que nous avons porté l'image d'Adam, de même nous porterons l'image, n'est-ce pas, du céleste. On porte encore l'image du terrestre. Mais la promesse dit que nous porterons l'image du céleste. Cette parole est confirmée dans 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Ah, ya zanta. Très bien. Il est dit même que nous lui serons semblables. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Et quiconque a cette espérance
N'attends pas le pasteur pour le purifier. N'attends pas les anciens pour le purifier. Il se purifie lui-même. Il sort des choses inutiles. Il est éca. Il attend l'accomplissement des promesses que Dieu lui a données. Nous devons faire comme Abraham. Il a attendu la cité. Il est flalé par la fina et que Aziamo ya bien. Donc Dieu est le concepteur. Il est flau par la fibo. A flau balio, il va rêver. Il va parler. Et le constructeur. Et balio, flau, a flau, il va pan. Abraham l'attendait. Abraham a bien. D'autres l'ont attendu comme Abraham. Ou c'est. Mais Abraham Zoubert, wa ben si. Et selon Apocalypse 21, allez fou, on fait Apocalypse a dit à vous filer dans d'autres dinars. Cette cité existe. Cette cité existe. Et Flau, bah là finalement y a pas quasiment mort. Y a quelqu'un a dit. La Bible dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Y a quelqu'un ma, il a capable diable là y a finalement ma, y a calé balé en haut. Il leur a préparé une cité. Très bien. Cette cité, la Bible dit qu'elle a une muraille. Bien. Et la muraille a 12 fondements. Là, je m'arrête un peu. On doit s'y mettre en main. Tout à l'heure, frère Lambert a parlé de religion. Cette écriture, tout le monde la lit. Tout le monde pense qu'il va entrer dans la cité. La Bible dit, cette cité a 12 fondements. Allez, l'équipe doit être d'abord. Et vous êtes en fil. Et sur les 12 fondements, il est parce que vous êtes en fil qui bon. Il y a le nom des 12 apôtres. Allez à côté, vous êtes en fil. Ou toi, quelqu'un m'a tout. Là, j'insiste. Sur les 12 fondements, allez et con. Flau, il n'y a pas mal. Il y a doqué. Parce que vous êtes en fil. Très bien. À l'équipe doqué. Très bien. À Fatou, à Do, allez à Cotonou, à Do, toi, quelqu'un. Très bien. Do, à quelqu'un, à Do, à quelqu'un. Mais vous, t'en filez, dans vos raisons. Nous aimons une foi comme ça. Les gens ont une foi. Dieu existe. Jésus est sauveur. Il est bon. Cabrina, mal, bli, 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 c'est pas la cardie. Bali à quoi? Bali, mission l'air, mission mille, il est café. Alors, nous, tu nous osez là, nous. La foi que Dieu veut. La foi qui nous sauve. Que Dieu considère. C'est la foi selon les Écritures. Et c'est la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. On ne peut pas la changer. Une autre foi n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Donc si la muraille qui entoure la cité et que sur ces 12 fondements, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau.
et que ses apôtres ont prêché l'évangile. Et allez à Cotonou, Balédro a fait évangile que bon, dire à Wilo à Cantretao. Ils nous ont laissé des instructions. Et que vous vous dites. Les apôtres sont orgueilleux. Tout à l'heure, Richard a dit que les croyants sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous vous dites, ils sont orgueilleux. On prend la parole de Jésus. N'oubliez pas, les 12 fondements portent les noms des 12 apôtres de l'agneau. Si vous ne suivez pas, si vous ne suivez pas ce qu'ils ont dit, si vous ne croyez pas ce qu'ils ont dit, si vous ne pratiquez pas ce qu'ils ont dit, entrerez-vous dans la cité. C'est une question. C'est ça. La foi que nous avons nous a été transmise une fois pour toutes. Elle est selon les Écritures. Les apôtres, eux, ont prêché. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Et si vous croyez connaître mieux que. Dans quelle cité vous allez entrer? Tout croyant est obligé de vivre, de pratiquer ce que les apôtres nous ont laissé par écrit dans la Bible. Sinon, il risque sa vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter. Mais je voudrais dire ceci. Toutes ces promesses que je viens de lire, qui sont pour nous les croyants, devraient faire un effet sur notre vie. Parce que si nous restons insensibles, c'est pas bien pour nous. C'est vraiment pas bien pour nous. Il faut que notre attachement à Dieu il faut que notre vie force les adversaires à reconnaître qui nous sommes. Le diable connaît qui est vrai croyant. Il connaît qui est hypocrite. C'est vrai ce que je dis, frère. Acte chapitre 16. Commence à partir du verset 16 également. 16, 17. Acte 16. Vous êtes en Suédo, dit. Allons, vous êtes en Suédo. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut.
et elle vous annonce la voie du salut. Très bien. C'est bon, frère. Qui le disait? C'est une femme possédée. Une femme possédée d'un esprit de python. Le don, le lignanien dit, il y a un dit bon, malinçant, le lignanio, il y a qui dit. Elle a reconnu qui est Paul. Qui sont ses compagnons? Le diable connaît qui est vrai croyant, qui vit clairement avec Dieu. Il connaît aussi qui est hypocrite, qui est faux. Acte 19. Jusqu'au verset 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Ouais. Et je sais qui est Paul. Ouais. Mais vous, qui êtes-vous? Voilà. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Très bien. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs. C'est bon, frère, c'est bon, Dieu te bénisse. C'est pour dire que le diable, qui est notre ennemi, il connaît qui marche réellement avec Dieu. Oui, effectivement. Le lignano et qui ka nyanezao. Et tao bali kobo. Et ya doa. Et vie tao bali babo. Ya doa. Et quand on se détourne du mal. De ici, oui, y a un jour. De la fausseté. Ici, vie. Et que nous marchons avec Dieu, étant sanctifiés, l'ennemi va nous reconnaître comme étant de vrais croyants. Il reconnaissait Paul. Et Paul, il reconnaissait ses compagnons. Il reconnaissait le Seigneur Jésus. Quand il le voit, eux-mêmes se prosternent. Il y a des croyants aujourd'hui dont l'ennemi n'a même pas peur. Que Dieu nous aide. Que notre vie force l'ennemi à nous reconnaître. Et quand nous, Jésus-Christ, soit vraiment glorifié. Donc, Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Lambert, ton micro. Non. Il est micro aussi.